c'est vraiment un état d'esprit, c'est un style de vie. Ce qui nous rassemble, c'est l'amour de la liberté, la communion avec la nature, sentir le contact des choses. On slip sur la vie en permanence. Je slip avec mes potes, je slip avec mes amis, je slip avec ma famille. Et là, aujourd'hui, on a décidé de slip rider. Ouais. Kill bias and dependency, an oculus eel, cause he arms himself with stealthy mass appeal. Where's my muse, if it's like every word slipping through my mouth has been used. Stagnant like the old man feeding a dirt, with my glass I've reflected half the things that I've learned. Le slip riding c'est très simple, hein. Ça consiste à rider en fait dans sa discipline, ça peut être n'importe quoi, du skate, du snowboard, du BMX, mais en slip tout simplement quoi. Nous, notre crew, le Slip Rider Crew de Paris, ça fait 7 ans qu'on existe. Dans les années 80, on était plutôt au Bermuda, et puis avec le temps, le Bermuda s'est raccourci et on est très rapidement passé au slip. Et je pense que d'ici quelques années, nous on sera plus là, mais il y aura sans doute des String Riders. Je pense qu'il faut vraiment mettre le paquet quand on choisit son slip, faut pas hésiter. Un petit budget pourra trouver un slip à partir de 7 euros par exemple. Aujourd'hui on a plein de possibilités, il y a des slips en téflon, des slips en aluminium. Bon, nous on a opté pour un petit tissu noir assez discret qui respire bien, dans lequel t'es bien dans ton slip. Avec lequel tu peux éventuellement aller en soirée, quelque chose d'assez polyvalent. C'est-à-dire que tu peux te faire une petite session comme ça à l'arrache, mais derrière tu peux sortir... Ça passe partout, tu vois, quelque chose d'assez sobre. La trace de pneus, c'est vrai que c'est un réel problème, un réel danger d'ailleurs quand on pratique le slip riding. Alors, les slips blancs en particulier, notre crew adverse, eux, on n'en parle même pas. C'est même plus des traces de pneus, c'est un champ de mine. Mais du coup, nous, on a décidé d'être beaucoup plus malin et c'est vrai que c'est un peu ce qui nous caractérise, c'est cette élégance naturelle. Puisqu'en fait on a opté pour des slips noirs pas salissants. C'est-à-dire que tu peux avoir du cambouis, un peu de gomme, ce sera toujours invisible. C'est un sport assez ouvert, hein, le slip globalement, on est assez détendu du slip là-dessus. Les enfants, les vieux, tout le monde, vraiment tout le monde, les hommes, les femmes, peu importe. Vous pouvez venir slip rider avec nous, c'est hyper open, c'est open comme un slip quoi.